Et salut à tous et à toutes, c'est Quentin pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode suivant en fait. Je vous laisse exactement là où je me suis arrêté évidemment, puisque je tourne à la suite, puisqu'évidemment faut que j'oublie les deux assez rapidement. Et vu que je savais pas si j'avais du combo ici ou pas, j'ai préféré arrêter juste avant. Alors, ça me saoulait ça. Ah bon. Alors toi. Je vais essayer de. Ah non, c'est vrai que faut que je fasse ça. Soigne-moi, soigne-moi. Allez, mais. C'est bon, calmé ou pas encore. Je vais pouvoir finir de soigner ma vie. Voilà. Lui, il envoie ses potes en mode. Je m'en fous quoi. Et il tire à l'intérieur des vêtements en mode de toute façon ça n'a pas d'importance. Oh non. Comment je fais pour pirater ça? Oh, qu'est-ce qu'il me dit qu'il va m'attendre là-haut? J'ai des petits frises, je suis désolé. Voilà mon CPU qui a du mal. Parce qu'évidemment j'ai lancé l'enregistrement l'un à la suite de l'autre. Donc il faut qu'il finisse d'encoder l'un. Et que là il commence à encoder l'autre, donc du coup il a un petit peu de mal, donc c'est normal, vous inquiétez pas. Par ici, c'est elle, la fugitive. Ta gueule. D'où tu me dénonces? Voilà. J'aime bien comme si un seul garde. Enfin, moi j'aurais peur à la place des gardes. Enfin, je sais qu'elle en a dégommé des centaines de milliers. Enfin, peut-être pas des centaines de milliers, mais beaucoup, beaucoup. Néline, arrête de jouer avec ce crétin. S'il te prend par surprise. Ouais, ok, j'ai ma dose de commentaires, merci. Vole le code dans sa cervelle d'oiseau et trouve Silla Quartier Wells. Je crois que j'ai une idée. Oh non, non, c'est une mauvaise idée. Ce type ne rigole pas. On va faire comme avec le truc qui voulait nous absorber le cerveau. Tu l'as pas vu là, j'espère. Oh non, t'es un crétin. Sûr que non, tu m'as pas vu. Alors ça sent le. Le QTE. Ce petit chaperon rouge a fait de quoi? Je veux pas. De beauté le cul. Alors, je pensais qu'il y aurait un truc plus compliqué que ça. Quelle idée de faire ça? Oh là.
Je suis vraiment un peu folle dans ma tête. Hein. Maudite chasseuse, qu'est-ce que tu m'as volé ? Moi j'aurais tout pris comme ça, je suis sûr que. Oui, moi y'a pas de soucis quoi. Si elle avait tout détruit, non, enfin si elle avait tout pris au moins, il n'y aurait rien eu. Hein. Eh bien j'aurais remixé un peu pour que ce soit avec moi, je sais pas. Là il est devenu complètement taré. Hein. Et j'ai peur qu'il revienne. Et s'il revient, je suis dans la merde. Ok Edge, tracé au tapis. Et j'ai le code d'accès. Pas le temps de te distribuer des bons points, Frangine. Tu dois trouver Scylla Cartier-Wells et la persuader d'abandonner le projet reconversion. Go! Ok, ça va, j'ai compris. Il est pas cool avec moi. Faut que j'aille où? Faut que je rentre dedans? Ouais. Oh, quelle ambiance sympathique. Me dis pas que c'est. Non, c'est juste la fabrication de robots femmes. Après, qu'est-ce qu'ils font? Je ne m'avancerai pas là-dessus, on va dire. Hop. Ouais, voilà. Non, tu veux pas grimper? Tu veux absolument descendre? Genre grimper, non, ok, descend. Hop. Hop. Une petite ambiance. Je sors dehors. Ouh, sa femme est juste derrière, moi j'ai de la chance. Croyez-nous, nous ne vous oublions pas. Si l'entreprise qui joue la mémoire, je ne serais pas si sûr. Trace a criblé le QG de balle. Mais quel cinglé! J'avoue. Quelle idée de faire ça? Oh oh. On m'écoute, les clébards reconvertis. C'est l'heure de la gamelle. Chopez-la! Oui! Oui! Ah, d'accord, c'est ça le. Vous êtes peut-être immunisé contre mon DDoS, mais vous n'êtes pas immunisé contre ça. J'attaque avec ça, j'ai pas le choix. Sans lui, sinon je perds trop de vie. Du coup, c'est pas un combat passionnant, mais. Pas le choix. Je peux lui mettre une bombe en soi, ça va plus vite, mais. Mais bon. Là, je fais rien, c'est remis tout seul au milieu. Oh non. Non, bon, c'est pas vrai. Ah, ça vous fait voler, hein. L'autre tire à son pote en mode ok. T'as pas peu de mal. Je vais peut-être. Attends, maintenant il n'y a plus que des normaux. On va peut-être changer juste. Et bah, notre combo du coup. Peut-être au moins notre deuxième pour qu'il soit plus d'attaque. Utilise l'attaque.
Ouais. Ensuite, en Y, qu'est-ce que t'as à l'attaque? Ouais, allez, on va utiliser le... celui-ci d'attaque. Oui, je sais qu'il existe un autre combo. Et pour celui-ci, on va utiliser celui-ci. Voilà, comme ça, il va être méga amplifié. Excuse-moi pour le grésillement, du coup, moi j'en ai dans les oreilles. Donc c'est YX, voilà. Y. Attention, le combo est brisé. Ok. 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 Allez. Alors ce combo là va faire juste ultra mal quoi. Alors, Y, X, Y, X. On va utiliser juste le X parce qu'il faut qu'on se soigne. Quoi? Oh non, 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 non. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Voilà. Trop loin là-bas l'autre. Oh d'ailleurs. Hop. Allez, allez, voilà. C'est tout à fait bon. Non. Non. Ah merde, il est où? Merde, il était là-bas. J'aimerais bien le détruire d'abord l'autre. Donc on va juste passer comme ça. Voilà. Du coup maintenant on fait ça. Et je crois qu'il y a que lui qui n'est pas sensible. Donc du coup on va faire ça. Voilà. Et du coup, les deux autres. On va d'abord se régénérer la santé. Voilà, et maintenant on va faire. Allez. Voilà. C'est bon. Maintenant j'ai un combo rapide pour la santé. Et un combo long pour l'attaque. Laisse parler sa mémoire brisée. Ok, du coup on va prendre la vision du garde qu'on a volé tout à l'heure. Allez. J'y crois. Mais what? Et je fais quoi avec ça? Faut que je fasse dans l'ordre? Ou non, j'ai un code. Et comment je connais le code? Oui, mais comment je connais le code? Je suis censé le connaître? Évidemment, comment je peux le connaître? Sauf si y a un bruit spécifique, mais... Non mais... Journal. Peut-être que dedans, il y a une petite info qu'on aura. Il y a les souvenirs de traces, ça on le sait.
Je sais. Comment je connais le code? C'est pas possible. À deux, on se sent moins seul. Le zéro peut être absolu. Bon, attendez, là je sais que c'est de la triche, mais j'ai oublié d'aller voir sur, sur internet quel est le code, parce que là je vais deviner et j'ai pas envie de passer une heure à chercher. A tout de suite. Hop, du coup on se retrouve. Bon d'accord, je sais pas du tout d'où vient le code, mais voilà. En gros c'était 2 0. Là c'est l'indice qu'il nous a donné. Enfin quand j'ai vu en dessous. Et ensuite 5-8. Pourquoi 5-8, je ne sais pas. Mais voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi. Et quand j'ai vu la solution, il n'y avait pas d'astuce à côté qui disait voilà où on le trouve, etc. Donc soit c'est un truc que j'ai pas vu, soit, et je m'en excuse, soit c'est quelque chose que. Bah, qu'il fallait essayer au pif, et donc bah du coup moi j'ai pas voulu essayer au pif. Waouh, c'est classe quand même dedans. Je vois ça comme comme maison, le sol comme ça et tout. Et voilà reconversion, le grand projet de Cilla Cartier-Wells, des leapers transformés en main d'œuvre jetable. Trouve cette garce et remet de l'ordre dans sa cervelle pourrie. T'as l'air d'être plutôt motivé. C'est elle, je crois. Non. Ou elle, c'est l'architecte. Et nous avons un calendrier à respecter. La peur et le chaos jouent. Bon, allez. On a toujours commencé par aller à gauche, donc là on va essayer de commencer à la droite. Vont faciliter le placement du projet reconversion. Les premières projections nous prédisent une marge à deux chiffres pour le prochain trimestre. Alors laissons aux événements. Danger. Ouais, je sais, je sais. Ok. Madame Cartier-Wells est une garce hors catégorie. J'ai pas moyen d'aller là-dedans. Non. Comment je le passe du coup? J'ai l'impression qu'il y a rien. Cessez de paniquer et au travail. Attends, on sait jamais, on peut aller de l'autre côté. Protégé par la force sabre. Et nous avons un calendrier à respecter. La peur. Le placement du projet reconversion. Les premières projections nous prédisent une marge à deux chiffres. Ok, on a compris que t'avais une marge alors à deux chiffres. Alors laissons aux événements le soin de nous remplir les poches. Elle va être motivée pour se remplir les poches. Hein. Ils vont me voir. Voilà. Comment je passe ça? Cessez de paniquer et au travail. Vos familles sont protégées par la force. Et nous avons un calendrier à respecter. La peur et le chaos jouent en notre faveur. Je sais pas quoi faire. Le placement du projet reconversion. Les premières projections nous prédisent une marge à deux chiffres pour le prochain trimestre. Alors laissons aux événements le soin de nous remplir les poches. Ok. Madame Cartier-Wells est une garce hors catégorie. J'ai compris qu'il fallait que j'aille là-bas, mais comment j'y fais? Parce que si je le suis en le collant. Oh, je crois que ça va être serré si c'est ça, mais je suis pas sûr que ce sera ça. On va essayer de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Faut que j'aille juste là. Les premières projections nous prédisent une marge à deux chiffres pour le prochain trimestre. Alors laissons aux événements le soin de remplir les poches. Ça va pas? J'ai passé à étudier.
Genre j'avais le temps avec celui-ci. Cessez de paniquer et au travail. Faut peut-être que j'aille sur l'autre côté. Allez, on va essayer de l'autre côté du coup. Peut-être qu'il y a la même chose. J'espère. Alors. Ces inondations vont faciliter le placement du projet reconversion. Les premières projections nous prédisent une marge à 2 chiffres. Alors. Ok, j'ai compris. Quoique, non, à mon avis, il y aura le même drone là-bas. Mais je sais juste pas quoi faire avec ce drone. Allez, allez, allez. On se retourne, on regarde, il fait quoi? Cessez de paniquer et au travail. Vos familles sont protégées par la force sabre. Et nous avons un calendrier à respecter. La peur et le chaos jouent. Alors attendez, j'ai peut-être une idée. Ces inondations. Au moment où lui va partir, faut que je suive. Genre. Ouais, mais non, 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 non. Alors laissons aux événements. Putain. Oh là là, ça va être serré. C'est-à-dire qu'il faut que je passe dans ce tout petit espace. Sans me faire. Oh là là. Ouais, ça passe. J'ai eu peur. C'est bon, en fait, c'était pas ça. C'était faisable aussi de l'autre côté, mais c'était juste un. Ça se jouait à rien. Edge, j'ai trouvé le bureau de cette ordure. Tu sais, cette femme était une bonne personne avant son terrible accident. Je pourrais lui faire oublier. Ok. Ça ne restaurerait pas sa beauté. Non. Rend-la responsable du drame qui l'a mutilée. Apaise sa rancœur. Elle doit cesser d'en vouloir au monde entier pour ses souffrances. C'est parti. Pourquoi je suis encore trempé? Elle s'est pas rendu compte qu'il y a une porte qui s'est ouverte, quoi. Philippe, vous me dresserez une liste des cadres qui ont quitté leur poste malgré mes instructions. C'est noté. Autre chose? C'est tout pour l'instant. Je la remix. Espèce de pleutre. Incapable de supporter la moindre souffrance. Vous allez vous jeter sur nos forfaits d'effacement traumatique plus vite que des réfugiés sur un verre d'eau. Vos faiblesses feront ma fortune. Oh, la méchante, quoi. Ah, tu m'as entendu, peut-être ? Pas discrète. Moi, hein. Je n'ai pas peur. Moi, je n'oublie rien. Une voiture. Enfin, du moins, si on croit la jante. Allez. On remixe. On va remixer la grande patronne. Là, ça déconne plus. Mémoire de Scylla. Alors. J'espère que ça va pas être trop dur. Alors, regardons une première fois qu'est-ce qui se passe. Je crois que c'est elle. Elle conduit sur la route. Elle boit un truc. Scylla, ma chérie. Elle appelle son mari. Ils ont commencé les travaux du périphérique. J'ai été déviée par une nouvelle ville. Et ça roule mal. Tu as trouvé Jax? Oui, je l'ai. Et l'année prochaine, c'est toi qui seras de corvée d'anniversaire. Ta fille est impossible depuis qu'elle m'a vu acheter son cadeau. Donne-le-moi, s'il te plaît. J'ai passé la journée au labo. Tu as eu le temps de lire mon mémo sur la thérapie mémorielle. On a fini les courses avec maman. Coucou, ma princesse. Il faut être bien sage avec ta mère, promis. Charles, je doute que les clients acceptent ton idée. Le stockage de souvenirs me semble un argument plus vendeur. Tu imagines les possibilités? Gestion maman, de la mémoire humaine. On en reparle demain, d'accord? Dans l'immédiat, mais... j'avoue que je ne serai pas opposée. Excusez-moi, il y a une genre de bestiole à chaque fois qu'ils volent autour de moi, ça me fait un peu chier. Ça suffit, Niline. Tu te calmes maintenant. Tu auras ton cadeau à la maison. Je suis leur fille.
Nilin, reste assise tranquillement. Maman, regarde. Nilin, retourne à ta place. Oh, j'y crois pas. À ta place, tout de suite. Sécurité, enfant, verrouillée. Maman essaie juste de te protéger. Ne refais jamais ça. D'accord? Uh-oh. C'est à cause de moi? Parce que moi je suis leur fille, putain. C'est pour ça que j'ai peut-être une facilité avec le remix mémorial. Putain, révélation quoi, je vais appeler cet épisode comme ça, révélation. Alors, bam bam bam, on discute, blablabla. Alors, nanana, tout commence bien. Voilà. Alors. Alors là, on a un truc. On a un choix entre quoi et quoi? Entre l'airbag, ou le porte-tasse. Problème, c'est que si on désactive l'airbag, il y a des chances qu'elle soit pas arrêtée, du coup elle meurt, en fait. Donc on va peut-être mettre plutôt ça. Alors du coup, comme ça va boire. Ok. Sac à main. Bah allez, on ouvre. C'est pas là où il y a Jax. Si là, ma chérie, voilà. Tu vas bien ? Tu devrais être rentré depuis des heures. Ils ont commencé les travaux du périphérique. J'ai été dévié par une nouvelle ville. Et ça roule mal. Alors, il y a le choix entre quoi et quoi. Alors, soit allumer un écran LCD. Même si je vois pas trop ce que ça changerait. Soit Jax. Bah, ça va l'occuper. Donc, si ça l'occupe, elle sera plus calme. Alors que ça va l'exciter, non? Parce qu'elle veut son jouet. Bon, du coup, on va l'allumer. Donc ça va se dire, oh, il réagit, elle va vouloir encore plus. Tu as trouvé Jax? Oui, je l'ai. Et l'année prochaine, c'est toi qui seras de corvée d'anniversaire. Ta fille est impossible depuis qu'elle m'a vu acheter son cadeau. Donne-le-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux modifier d'autre? Je sais pas ce qu'il y aura après. Dans l'immédiat, j'avoue que je ne serais pas opposée à l'idée que ta fille oublie que c'est son anniversaire. Moi aussi. Est-ce que tu veux venir te promener? Du coup, ça n'avait pas eu l'effet que je pensais. Je pensais que ça l'exciterait un peu plus. Ah, attendez, il y a eu quoi là? Pare-brise. Ok, je sais pas ce que ça va faire, mais. Pourquoi pas? C'est quoi ça? Merde! Le mémo. Gros mot! Ton père va me tuer! Ah, du coup, c'est sa faute en fait. J'ai eu chaud, premier coup, putain. La chance. Maman? Du coup, en vrai, c'est de ma faute en fait. Ça va aller. Ce n'est rien. C'est de ma faute, ma chérie. Oh, ma jambe. Maman! Putain, j'adore mixer les souvenirs de ma mère, quoi. C'est dingue. Oh. C'est le jour de mon anniversaire, quoi. C'est glauque. Si moi je m'en souvenais pas, ça va me faire bizarre. Maman. Néline? Ta jambe. Mon cœur.
Ce n'était pas de ta faute. J'aurais dû être plus prudente le jour de ton anniversaire. Oh, ma fille, comme je regrette. Oh, c'est la révélation que tu vas faire. Oui, moi je sais que c'est ma faute. Ironique, non ? La présidente de Memorize, qui refuse d'oublier le pire jour de sa vie. Alors qu'est-ce qu'elle va faire du coup ? Tout oublier. Madame, l'agent héroïste a été repéré à votre étage. Une phalange vient sécuriser la zone. Merci Philippe. Je les attends. La vie nous a séparés. Mais tu restes ma fille. Oh. Je ne te ferai jamais rien de mal. C'est gentil. Maman, je... Vas-y. File. Ça mène sur les toits. File. On ne s'oublie pas. Bah, j'espère ne pas y oublier, parce que je t'ai déjà oublié. Dès demain matin, nous réévaluerons la stratégie du projet reconversion. Pour l'instant, rentrez tous chez vous. Retrouvez vos familles. Oh, elle a retrouvé un peu d'humanité. Vous aussi. Bien, madame. Merci, madame. Et du coup, on va terminer l'épisode bientôt, en fait. Parce que le niveau temps, on est bien. Ça fait une petite demi-heure. Un peu plus qu'une demi-heure, même. Puis on a eu, je pense, assez de révélations, là, pour le coup. Waouh. Et tu m'as, maman ? Succès déverrouillé. Vous l'avez pas vu à l'écran, mais moi, je l'ai. Non, ça me... Non, j'ai pas vu. Mince, désolé. Encore une fois, je fais pas gaffe. Je suis la fille de Cilla Cartier-Wells. Allez, j'écoute juste ça et on se laisse. Je suis l'héritière oubliée de la dynastie Memorize. Quel genre de blague impossible est-ce ? J'ai commencé à reprendre pied, à trouver un sens à mes actes, et me voici de nouveau à la dérive sur une mer d'incertitude. Je comprends. Dans quel jeu tordu Edge m'a-t-il entraîné ? Comment pourrais-je encore lui faire confiance ? Pourtant, il veut encore me démontrer la justesse de son combat. Alors, une dernière fois, j'accepte de suivre ses instructions. Profondément enfoui sous la Bastille, dit-il, se cachent les secrets honteux de Memorize. Putain, j'étais à la Bastille, pourquoi j'y suis pas... du remis pas cherché. Une mère par sa fille, une mère que j'avais oubliée. Je dévore mon passé, au nom d'un avenir meilleur. Mais je suis fatiguée de courir, et je veux des réponses. Je comprends, ça se comprend. Épisode 6, même si je sais plus du tout combien d'épisodes en tout. Noyau pourri. Ok, pourquoi pas. On va laisser juste vite fait ça. Puis dès qu'on revient en jeu, bah du coup on se laissera. Je pense que du coup Edge va nous redire un truc. Genre ouais bah non faut que tu fasses ça. Non ? Ouais du coup je pense qu'on va se laisser ici. Je vais essayer de me mettre un peu plus à la lumière. Hop, voilà. Non. Plus, voilà, comme ça. Donc c'est sur ce retour à la Bastille, dans les profondeurs de la Bastille apparemment, que nous irons chercher nos derniers souvenirs. Et cet épisode était fort en révélation et j'ai hâte du suivant parce que ça va être à peu près la même chose. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres phases comme celle de l'épisode d'avant où j'ai bien galéré. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si c'est le cas, à me poser n'importe quelle question dans les descriptions si vous avez une question. Et puis moi, sur ce, je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de prochaines vidéos ou en live, mais ça vous aurez une vidéo spéciale justement qui arrivera dans un dimanche, qui sera assez courte, mais en même temps, qui sera peut-être la plus longue de ma chaîne, vous comprendrez pourquoi, je vous expliquerai. Et puis moi, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous remercie encore de cette vidéo-là, et puis, voilà, allez,